passe des drôles de choses dans cet utérus santé. Oui, ben oui, c'est, c'est un extrait. Est-ce qu'on m'entend? Un extrait de manège. Ah, très bien, je m'entends mal. Manège de l'utérus santé de Tomomi Morimoto, Makia Kuroyuki, Patrick Graham, Joshua Lam. Il est bon, votre japonais. Merci beaucoup. Oui, hein. Beaucoup de pratique. C'est à l'espace tangente, rue Chéria, quelque part à l'est du métro Sherbrooke. C'est ce soir à 19h30 et demain 16h. C'est présenté dans le cadre du festival Accès Asie, qui est le plus ancien du patrimoine asiatique au Canada. Ça fait 14 ans, c'est la 14e édition. Alors là, on pénètre tout d'abord dans la salle à travers un long couloir noir opaque. Mais il fait vraiment noir le mot pénétrer a été choisi. Exactement. Avec, c'est bon, ça. Avec parcimonie. et on suit de faibles traces phosphorantes sur le plancher. Là, bon, évidemment, on rentre dans l'utérus. Et on pénètre dans la chambre d'une jeune japonaise qui, pendant qu'on s'installe, découpe des images dans des magazines. D'ailleurs, Dany parlait tantôt du début de Transcanadienne PQ. On a aussi une espèce de 10 minutes de flottement là, en arrivant dans la salle. C'est le personnage principal de la performance, joué par la chorégraphe et danseuse Tomomi Morimoto, secondé par la guitariste, chanteuse, danseuse et comédienne Maya Kuroki et le percussionniste Patrick Graham. Alors, qu'est-ce que raconte Manège de l'utérus santé? Je vais vous citer le communiqué de presse. L'œuvre explore le phénomène de la renaissance inspirée d'une pratique bouddhiste japonaise appelée Taine Meguri, qui consiste à redécouvrir... qui consiste à redécouvrir nos sens et à vivre l'expérience d'une nouvelle naissance en marchant dans l'obscurité et le silence complet d'un temple, comme si l'on retournait dans le ventre de la mer. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, ça donne... Écoutez, j'ai pas tout compris, mais je peux vous décrire quand même. C'est une performance qui mêle la danse contemporaine des éléments de buto, voulant dire danser et tôt taper au sol, de la danse style meneuse de claque, il y a de ça aussi là-dedans. C'est assez acrobatique, parfois sensuel. Il y a des poses de sumo, des danses enfantines qui sont d'ailleurs très drôles, des jeux de mains. Il y a une chorégraphie pour quatre mains, du mime. Eh oui. On peut pas y échapper. Il y a du mime. Danse donc, mais il y a des projections. Il y a des textes de poèmes qui apparaissent derrière les musiciens. Il y a des installations. C'est du théâtre, de la musique expérimentale, pop des années 70 au Japon. Il y a l'humour aussi dans cette pièce-là, et il y a Yves Desautels. Hein? Quoi? Il y a un passage où on entend Yves Desautels qui fait la circulation, qui nous apprend que la vin est bloquée. Écoutez, ce que Yves Desautels vient faire dans le théâtre japonais, j'en avais aucune idée. Sait? Je l'ai rencontré hier et je l'ai félicité pour sa performance dans Manège de l'utérus hanté. Oui? Il était un peu surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Il m'a dit, mais est-ce que tu me parles de quoi, là? Alors, j'ai expliqué qu'il fait partie d'une performance dans le festival Accès Asie. Il dit, mais on m'a jamais parlé de ça. Alors, je pense qu'Yves Desautels consulte son avocat. En ce moment, oui. C'est un objet artistique plutôt déstabilisant, mais intriguant. Moi, j'ai trouvé que c'était bien joué, bien mené. 60 minutes sans entracte, c'est parfait. Pas trop long, pas trop court. Non, mais pas pour moi et pour quelques autres qui étaient pas loin de moi. Dany qui était là. Dany. Regarde avec stupéfaction. Oui, ben allez-y, Dany. Non. Il faut dire, bon, le titre, le manège de l'utérus hanté, moi, j'ai pas trop marché dans le titre. Ce genre de titre me fait toujours peur. Mm-hmm. Il y a ce genre de couloir très sombre, opaque, où il faut traverser et qui annonce un jeu que le public peut-être pourra avoir avec les acteurs. Je n'aime pas le théâtre ou la danse ou n'importe quoi, où l'on me demande de jouer à quelque chose. Quand je suis rentré, j'ai vu cette jeune femme, cette jeune japonaise assise en train de découper un peu, qui me semblait un certain samedi soir où les jeunes un peu partout dans le monde s'ennuient en attendant de sortir peut-être le soir. J'ai tout de suite senti un accord. C'est tout ce que j'aime. Moi, ce que j'ai vu là, c'est, et je n'ai pas, et heureusement pour moi, je n'ai pas lu le texte et qui rappelle. Ben moi, je l'ai lu après. Là. Le bouddhisme. Mmh. Et ce que j'ai vu, c'est une ambiance excessivement moderne qui n'a rien du tout de geisha, qui n'a rien du tout de japonaiserie et qui monte une jeune fille, une danseuse, solidement plantée sur de solides jambes. Elle a des jambes courtes, mais solides. Elle est très bonne danseuse aussi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'esbrouf là-dedans. Et c'est ce qui est très rare dans la danse, il y a un certain récit. On a l'impression vraiment qu'il y a un ennui qui s'installe et puis qui va être animé par une sorte de fantaisie et qui se trouve, on se demande, dans la tête du personnage. Alors, cette jeune fille qui s'ennuie dans une chambre à Moscou et à Tokyo plutôt, et il se passe dans sa tête de la musique. Et cette musique-là est en direct. Et c'est sur la scène et derrière, sur une petite scène, la moitié de la scène, on dirait, ces petits cubes qu'on voit des fois et qui nous donnent un peu une idée des appartements japonais qui sont comme des petites cages.
cages, des petites cages, tout est minuscule, tout est encagé et tout cela. Et on a cette ambiance de karaoké, on a cette ambiance un peu de dada et de musique, mais c'est vraiment folle d'ambiance. Et l'écrivain japonais en vous qui a été pas du tout. Je trouve que mais il est d'accord avec moi. C'est le mot qui définit ce spectacle, c'est ravissant. Ouais. C'est un mot très ancien. Je ne l'ai pas utilisé, mais je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose de ravissant, c'est-à-dire on joue avec tous les détails, tout est en bulles. Ce spectacle donne l'impression, d'ailleurs, on voit des bulles aussi, des bulles de savon. Ça se perd en bulles, comme si on était entre rêve et réalité, comme si cette jeune fille n'était pas tout à fait dans sa sortie, tout à fait dans son ambiance, mais quelque chose allait se passer, on ne sait pas quoi, et c'est tout à la fin quand elle met son costume, son pardessus. C'est une robe, on a l'impression qu'elle va sortir, qu'elle va aller à la fête, et moi, pour les gens qui aiment beaucoup les ambiances japonaises modernes, et il faut y aller parce que c'est ravissant. Alors, on parlait d'argent de ce soir et demain 16h. Merci Jacques, et on parlait du de l'utérus hanté. Donc, je vous laisserai prononcer le nom de l'auteur. Et donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux techniciens Pierre Dulon, Mathieu Dumontier, Alexandre Hamel, les recherchistes Amélie Grenier, Geneviève Laurent.